et Brady Armel au milieu devant. Vous l'avez vu, hein, Manassé, c'est le meneur de jeu, c'est le patron du milieu, il a accompagné Dakoury. Et puis devant, il y a Niali. Au milieu de terrain avec Manassé à la manœuvre, aidé par Christian. Et puis derrière. Urbain, Abdou, Manassé. Manassé, la frappe. Manassé. Regardez ce but, regardez ce but. Ce but est extraordinaire, sublime but, merveilleux but. But de Manassé Ongo, extraordinaire, troisième but. On revoit l'action, Didier, on revoit l'action. Oui, là, le 1-2, la petite passe en retrait pour Manassé, sans élan. Hein. Ce qui est fort, c'est que c'est sans élan. Regardez la position, regardez le corps. Il a une force dans le pied. Oh là là, quel coup de pied. L'intérieur du pied, brossé, plein de lucarne. Il tutoie la lucarne. En tout cas, et c'est une de ses forces, ça. C'est une de ses forces. Ah ouais, il tutoie la lucarne. C'est tout simplement bon. Il va chercher ce but à l'angle. Grâce, vous n'avez pas l'opportunité de revoir le ralenti, mais c'est tout simplement bon ce but. Et sans élan. Sans élan. Ce que Manassé vient de faire est extraordinaire. Troisième but du COK. C'est le temps pour nous de vous rappeler qu'il faut vraiment vous protéger. Oh là là, quelle frappe encore de Manassé. Et... ah, quelle parade. C'est vrai, une très belle frappe, mais derrière, la parade de Yellow, elle est frappe, belle. Elle est pure. Ouais, derrière, ouais. Il assure un. Regardez, la frappe, elle est pure. Petit extérieur du pied. J'aime bien l'accent du gardien. On voit la frappe de Manassé là. Elle est pure. Hein. Elle est pure. Le gardien il peut sortir là-dessus. Hein. Il peut faire une parade là-dessus. Hein, parce que on voit la trajectoire, elle est rectiligne. Ah ouais. Ah, c'est tellement beau. Merci à la réalisation. Ça, c'est sa force en fait. Donc il n'y a pas de souci. Ça, il ne peut pas la perdre. Regardez comment derrière Ruben il saute et surgit. C'est mal frappé par l'ancien spécialiste des balles arrêtées du Lille de Sassandra. Pourquoi pas un centre avec Broumanassé. Bien élevé ce ballon. Oh, et passé à 5 buts. Et c'est la copie conforme de la première période de ce but envoyé par Dikos. La même chose. Broumanassé envoie un centre au cordeau. Il domine partenaire et adversaire. Comme quoi, Abdoul Koulibaly Kader a un bon. Ils s'entendent vraiment bien. Kader Aboul et Kader Drissa. Le ballon circule très bien entre ces deux garçons. Voilà, c'est. Cette équipe du COK est supérieure à celle de la. Il y aurait de l'adversaire comme là. Ouais. Faut aller vite. Abdoul Kader. Kader. Ils se sont déjà remplacés. Attention, Manassé, il va frapper. C'est dans les gants de Franck Toula. Là, il. Pas besoin de prendre un point, il faut une victoire. Et c'est possible. Là, il a fait. L'entraîneur de Corogo. Ah oui, mais il a 0 points en 2 matchs. Ouais. Allez, il faut gagner. Attention à ce long ballon envoyé dans la défense de Sol FC. Les Corogolais. Il va siffler un pénalty. 2-0 et se faire. Regardez, là, il prend le dessus. Il met son corner en position. Il n'attendait que le contact. C'est clair, vous le voyez. Il joue intelligemment le gardien, le garçon. Indiscutable. Intelligemment. Armel Kouamé. Prou, Manassé, il frappe. La qualité dans son pied droit, Prou Manassé. C'était cadré. Le ballon du 2-0. N'eût été l'envolée spectaculaire du Tili. Enfin, un bon coup franc dans cette Ligue 1. Ah ouais. Et le coup franc et le geste spectaculaire pour les photographes du gardien de but de Boak. Il doit faire un peu plus quand même le garçon. Élever un peu son niveau de jeu. Coup franc pour le COK. Manassé Brou, il s'est envoyé direct. Qui il est pas pied. Il envoie le ballon, ça tombe où il faut. On l'a toujours dit, c'est là que le ballon doit tomber entre le gardien et le point de pénalty. C'est Hervé Joël. C'est excellemment tiré. Malheureusement, son partenaire n'arrive pas à. Consigne de Radouane Jalal. Deuxième poteau est toujours par terre. Go pour Manassé. Amen. Oui, l'équipe mène, mais on a baissé d'un cran. On a baissé d'un cran et ça aussi. Adama. Allez, la balle. Il est fini. C'est bien dommage pour Corogo. Mais il faut le surveiller, ce garçon. Certes, Corogo en difficulté, mais lui, il marche super.
Il marche en super, hein, 12 buts déjà inscrits en, dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Abdoul Kader. Il a tout son mérite, hein, il joue. Le danger est toujours dans la surface de réparation. Et la frappe de Massé du COK. Et cadre. Si c'est cadré, c'est même c'est pareil. Hein, parce que là, il a. C'est sa force en fait le, l'intérieur du pied. On voit l'action, hein, voilà. Didier. On voit les joueurs de, du COK se battre. Hein, la petite remise derrière. Voilà. On le, enfin, et puis elle est contrée. Derrière, petite remise. Comme elle vient, plat du pied. Malheureusement. Muscler un peu le milieu de terrain. Attention Adama Kone. Adama Kone. Pour la SOA, 0 pour le COK. C'est le score actuel en cette fin de première période. Ah, ça joue mieux côté Korogo, hein, vous avez remarqué. Hein, les contrôles sont. Sauter le milieu de terrain comme ça et chercher les joueurs, à moins qu'ils le fassent en profondeur pour pouvoir lancer leur buteur. Il faut toujours. Il est vraiment tranquille. Aruna Beu ici à Diop. On a essayé de gagner dans la première mi-temps. La SOA a inscrit un but à la 10e minute, ce qui donne un bel avantage aux militaires. 1-0 pour l'instant. On attend de voir une belle réaction de la part de la SOA. Ça me fait très mal pour la SOA. Exactement. Où il peut avoir quelques regrets. Rappelons qu'il n'y a qu'un but à zéro. Hein. Un but seulement. Et le COK hein, dispose des moyens. Dégage de son défenseur et là il lève la tête. Maintenant l'appel de son partenaire est hésitant. Il déclenche son appel et quand il veut lui donner le ballon, il change de direction. Voilà, donc ça fait que. Attention. Et quelle couverture et la présence de Song ce ballon vers l'attaquant de poche. Milieu de terrain. Dans cette opposition, côté CEO Korogo, il porte le dossard 6, Ngoburu Manassé. Passé par Lafat d'Abidjan, bon joueur de ballon dans le milieu de terrain, surtout très bon sur le coup de pied. Oui, on le connaît Manassé, un hein, joueur techniquement doué, il a bourlingué, il a de l'expérience, il a le ballon, il peut distiller des bons ballons. Face à ceux qui peuvent à eux seuls faire la différence et apporter un plus à leur formation, dans l'effectif du COK, un certain Ngoburu Manassé que vous connaissez personnellement. Oui, je l'ai connu dans le temps, c'était l'espoir du football ivoirien. Nous a montré qu'on pouvait compter sur lui cette année avec deux super buts la semaine dernière. Alors, Manassé, 4-0 cet après-midi. On va dire qu'on a retrouvé une équipe très motivée du COK qui a confirmé le réveil qu'il fallait confirmer ce soir. Oui, d'abord, je rends gloire à Dieu. Voilà, on a essayé de tout donner pour pouvoir avoir cette victoire vraiment qui était vraiment impérative pour nous. Et Dieu nous a fait grâce. Voilà, on a tout donné, écouter les consignes du coach. On essaie de mettre ce que là de monter en pratique. Et puis bon, voilà, ça fait mouche. Je rends gloire à Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Alors, c'est l'un des rares matchs où le COK marque et n'encaisse absolument pas de but. C'est de très bon augure, on va dire, avant d'affronter le FC San Pedro. Oui, c'est une très bonne performance. Voilà, comme je le disais, vraiment, ça, cette victoire nous met beaucoup en confiance aussi, vu que nous avons fait deux victoires consécutives. Voilà, donc on va essayer de rester concentré parce que ce n'est pas encore fini. Pouvoir aborder le prochain match fort et puissamment. Voilà. Bien, merci beaucoup. On va...